Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie des Junia. Alors nous allions essayer de faire notre victoire culturelle. Nous allons essayer plutôt. On va avoir besoin, je crois, de prendre Knossos, il nous faut hélas. Ouais. Oula. Oh, c'est un général ça. On va l'intercepter cette unité là-bas. Ce général. Je peux améliorer 4000. Ça coûte cher mais. Ça vaut le coup. C'est vrai qu'on est toujours en déj de thunes. Il y a des choses qui ne changent pas. Et là oui j'avais une flotte qui est en route pour essayer de choper des sirénaïques. Est-ce que j'avais... Non. Même pas de sécession en cours ou prévue. Parfait. Mais dis donc. Ça s'améliore. Ah. Il a réussi son assassinat. Votre volonté est faite. Il est au moins blessé. Toujours ça de près. On va voir. Ok. Ça n'a pas abouti, tant mieux. Ok, c'est autour des couches. Décidément, on nous aime pas trop, hein. Pourtant on n'a rien fait de spécial. Hein. Ouais, un peu expansionniste. Et tout, un peu. Et encore, on n'embête pas tout le monde. Ok, la cible a été blessée. Ok, on a deux qui se sont fait blesser. Et mon espion qui a réussi à tuer. Ok, très bien. Donc en gros, les deux actions d'agents ennemis qui ont essayé d'être... qui ont essayé d'assassiner, de blesser ou autre un de mes agents, c'est mal fini pour eux. Est-ce que pour lui ça va mal se finir aussi, Corina? Ouais, ça a très mal fini pour lui, c'est parfait. Hop, ok, on a nos architectures à moulure, ça c'est très bien. Voyons voir. Là on peut voir une baisse de la corruption dans les provinces, ça peut être vraiment pas mal. Et sinon, une augmentation de l'agriculture. Commerce. Ouais. On va faire baisser la corruption dans les provinces. Je préfère... Pour l'instant, je préfère. Hop là. On va se débarrasser petit à petit de ces flottes qui nous embêtent. Commencer par celle-là. On le fait rejoindre la mer par le fond. On relâche parce qu'on a besoin d'argent. On ira les embêter un coup. Hein? Là, ils ont quelques éléphants. Vraiment, ils peuvent pas faire grand chose. Quoi. Mais par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il est en plein désert et que si je vais l'embêter. Je vais avoir des pertes. Grosses pertes. J'ai pas un agent ici. Ah mais si, c'est un de mes agents qui a été blessé en fait. Bon. Ici on va intercepter leur serviteur de Caron. Bon, je vais être obligé de la jouer en manuel. On va la faire rapido. Bataille de la mare. Allez gomme. Lui. Ah, je me suis trompé. Je me suis totalement trompé. Désolé, je suis pas dedans.
Je suis pas dedans, c'est pas grave. C'est pour lui donner une chance. Voilà. Je suis gentil. Hop, normalement il a pas de renfort. Là, vu qu'il pleut, je peux pas mettre de rafale enflammée, c'est ça le problème. Voilà, on va les laisser faire feu tranquillou. Tranquillou bilou. Après ça, voilà, les navires se coulent tranquillement. Je vais juste voir, il y a des unités de lance-projectiles, je vais les aider parce que là. Et donc j'ai pas l'impression qu'ils tirent des masses là, mes troupes. Ouais, tu m'étonnes. Encore une fois, ils sont buggés. Projectiles. Voilà. Hop, encore une fois, ils sont buggés. Souvent les débuggés, hein, quand même. Voilà, et le dernier point. Pour le fun, terminé. Voilà, j'ai perdu une unité. Impeccable. Voici comment on mate Athènes. D'ailleurs, avec la flotte que j'ai. Non, mais si, je voulais aller à Hieraptina. Relâche moyennant, finance. Oh! Oui, c'est vrai, maintenant je peux changer les bâtiments, je peux les modifier. Parfait, parfait. Voyons voir. Alors, on va faire, comme on avait dit, tout ce qui est bâtiments spéciaux. Voilà, tous ces types de bâtiments-là. Est-ce que je peux encore en avoir un? Oui. Ça rapporte beaucoup, hein. Ça rapporte beaucoup, beaucoup. Donc, on va en profiter à fond. Encore un bâtiment qui est pas réparé là-bas quoi. Voyons voir, il n'y avait pas les Cyrénaïques aussi qui étaient venus nous embêter? Oh, ils sont fait pourrir. Non, pas les Cyrénaïques, les. Dis-moi rien. Je suis totalement trompé de nom. Quelle idée. Il a encore des agents, l'Athénien. Avec ce que je lui défonce par tour. Compliqué. Agent entravé. Il m'a dit j'avais un autre agent. Agent récupéré, où ça? Non mais Harold, les mecs, faites un effort quoi, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils foutent là, hein? Ouais? Vraiment? La direction Knossos. Annuler le déplacement, hop. On prend Knossos, bien évidemment. On encercle pour l'instant, on va attendre l'arrivée de la flotte, si ça peut aider. Non, ça a pas l'air. Bon bah c'est pas grave. Résolution mode équilibré. Trop avoir de pertes. Bingo. On occupe, voilà, il n'y a plus de Knossos.
Et je vais les mettre en rame forcée parce que j'ai l'impression qu'ils vont vouloir traverser la mer. Je n'oublie pas, que j'en loupe pas. Production de bois. Ça. Production de cuir. Production de marbre. Ah, avec un peu de chance, je pourrais encore en avoir une. Production de vin là. Vigne. De vin. Non, de vin. Ouais, c'est pareil, tu me l'as. J'ai plus d'argent. Sniff, c'est triste. Voyons voir, eux, est-ce que je peux aller choper? Ils auront peut-être eu des pertes à force. Déjà, ils se barrent. Donc, c'est qu'ils n'ont pas aimé la blague. Ah, oh, ouais, d'accord. Résolution en mode agressif. Oh. Il y a du monde là-bas, je l'ai pas vu. Ils sont beaucoup, pas? Ils sont beaucoup, mais ils sont pas ouf santé, quoi. Bon, vu qu'ils sont passés là-bas, moi je vais m'avancer. Je vais aller choper Parétonion. Pas avoir grand chose pour défendre ces villes. Ouais, on va voir ça coûte combien toi là, si on te demande un petit assassinat. Oh, ça va. 25%? Ah. Oh, il y a des blessures au moins, c'est toujours ça de prix. Parce que son espionne est forte mine de rien. Pas la laisser agir à sa guise. Et ça c'est normal, c'est normal. Ah non, ça c'est pas normal. Et ça c'est bien. Hop, impeccable. Ah, elle a même fait un peu d'argent, l'espionne. Elle a même fait un peu d'argent, c'est magnifique. Non, hors de question. Dégage. Ok, il y a un autre d'argent là-bas. Là, il a l'air d'avoir annulé son attaque avec avec ses troupes Athènes. Ponte et Athènes, alliance rompue. Ok, Athènes a rompu toutes ses alliances. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais... Allez, on va aller prendre une ville. Il y a quoi? Il y a une petite flotte, ça va pas changer grand chose. On lui prend sa capitale actuelle. Bien joué à toi mon empereur. Ah c'est vrai qu'on s'est fait... dissoudre une unité ici en plus. Et, ah tiens, comme c'est étrange. Ah non, ce sont les Sardes. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Bon, tu me diras. Dans tous les cas, je vais les envoyer à Rhodes. Parce que là, il y a des Athéniens. Pas mal d'Athéniens qui vont peut-être essayer de passer, faire quelque chose. Je ne saurais pas trop dire. Donc on va pas le laisser faire, toi. Oui, il est blessé, mais c'est toujours ça de prix. Direction Sirène. Wow. Oh la vache. Il y avait du bas quartier hein, quand même. Il y a du bas quartier à. Il faut s'occuper. Hein. Hop. Ah mais t'as un entraîneur toi. Comment entraîner du monde? Y'a quoi là-bas? Ouais, non mais la moitié cassée, c'est vrai. Là c'est pas intéressant. Là-bas. Non plus. Ah bah. Ouais bah par défaut, va voir ton empereur.
C'est vraiment par défaut. Pourquoi il a encore bougé, lui? Il arrête pas de bouger. Alors qu'il est déjà arrivé depuis 10 tours. Faction détruite, les Cyrénaïques. Impeccable. Lui, il se balade. Balade-toi, écoute. On a rien à secouer. Allez prendre Alexandria. Très très intéressant de faire tomber cette ville. Voilà, alors on va éviter de faire des bas quartiers quand même. Peut-être gênant. Toi, on avait dit va l'entraîner. Mon espionne, elle est là. Je leur laisserai le passage. Super, c'est mon agent qui est blessé, c'est pas l'inverse. J'ai pas une espionne qui est bonne au rang aussi, si on va essayer. Super, ça n'a pas fonctionné non plus. Ça veut pas. Elle, on peut pas. Saboter le ravitaillement, je veux pas qu'ils aillent à Paris-Tonio. Yes. Ici, je vais faire une embuscade si jamais ils s'avancent. On va les choper. Là, j'ai la portée d'aller sur Paris-Tonion, donc on va pouvoir défendre la ville. Impeccable. Alors, voyons voir. Continuons au niveau des villes, parce que là, c'est bientôt l'hiver, et qui dit hiver dit baisse des revenus. Baisse drastique des revenus même. Oh la vache. J'ai l'air de m'être occupé de toutes les villes, on va dire, qui produisent une ressource spécifique. Ça, c'est bien. Voyons voir. On s'est bientôt débarrassé d'Athènes. Quand ce sera débarrassé d'Athènes, on prendra quelques tours histoire de. Stabiliser un peu l'Empire. Parce que là. Banditisme, Paris-Tonion. Oh, c'est pas très grave. Important à Paris-Tonion, là on va sur Alexandria. Mais c'est que je peux pas non plus laisser les villes comme ça. Ouais, voilà, il est juste à côté de Sirène. J'ai pas vu mon embuscade. On va lui prendre la ville. Résolution auto, mode agressive. On relâche pour l'argent. Hop. Ah oui, c'est vrai que c'est. C'est pas mon empereur lui, pourquoi il est comme ça? Qui c'est? C'est un général. Bon, c'est un général qui permet de recruter des unités avec un bon niveau, pourquoi pas. Hop, les vagabonds d'Ulysse. Merci d'être passé. Merci d'avoir donné tant d'argent à l'Empire romain surtout. Hop, je peux pas. Dommage. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je fasse ça pour les. Bon, tu me diras, je vais peut-être attendre qu'elle soit réparée ici. Ici c'est bon. Nicomédia. Trop cher. Allez, hein, il n'y a plus qu'à. Ah, c'est le tour prochain qu'on pourra aller sur sa ville. Voyons voir, est-ce que vous allez y arriver?
Comment ça, non? À votre service. Ah ouais, un petit problème d'argent. J'ai oublié ce détail qui n'en est pas un. En quoi puis-je vous aider? Que lui il va arriver petit à petit, il va faire son chemin. Et c'est le site qui joue, et c'est le site qui m'envoie des agents donc. Bon, Athènes, ça, on s'en doutait. On le savait. Ok. Hop, ici, je vais l'envoyer à Rhodes. Au cas où. Parce que là, Athènes va tout tenter pour reprendre ses villes, je suppose. Ouais. Je pense qu'il va tenter un truc. Avec sa troupe là. Je vais les envoyer là juste à côté par Étonion. Ouais, c'est vraiment pas loin, dommage. Comment puis-je vous servir? Lui. Mes compétences. Je peux pas. J'ai pas le niveau. Dommage. À votre service. Et elle, elle a le niveau normalement. Oui, 60% en plus. Ça devrait passer, quand même. S'échapper, c'est pas bien grave, toi. Je ne peux pas et ne le ferai pas. Ah non, c'était toi à côté. C'est l'hiver, j'ai plus d'argent, comme d'hab. C'est pas bien grave. À votre service. Impec, les espions qui me restent, vous allez aller chez les couches. Et vous allez leur voler de la bouffe, hein, je veux pas savoir. La bouffe, de l'or, enfin tout ce qui traîne. Là, ils m'ont bien énervé les couches. Ah, il s'est déplacé que de ça. La blague. Voilà, et puis je vais passer le tour histoire de pas être en négatif d'argent. Athènes va-t-il tenter quelque chose? Athènes va tenter quelque chose, je pense. Voilà, bingo. Merci d'avoir tenté. Merci pour votre argent. Ah, il m'a dissous une autre unité, je suppose, lui. Ouais, c'est ça. Il a dissous une unité, bon après, vu la tronche de la Légio, c'est vraiment pas bien grave. Hop là, toi tu vas là, toi tu vas là. Alors, Athènes, Athènes. Ils sont là-bas. Bon, ils vont mourir de faim. Devoir voler un peu de thunes, faire un petit tournement de fond. Parce que j'ai pas du tout ce qu'il faut. Là-bas, j'ai une légio qui attend qu'à bouger. Qui n'attend que des ordres. Qui demande qu'à ce qu'on lui donne des ordres. Chut. Hop, et tu iras là-bas. Et il a ses ordres, il a pas ses ordres, il a ses ordres, il n'a pas ses ordres. Oh, ma classe 6 qui a gagné un niveau, ah bon?
Ok, pourquoi pas? Ah, il nous faut garder de l'argent de côté. Il lui arrive à Rod, il pourra défendre la ville au cas où. Quelqu'un cherche à me barrer la route. Direction. Quoique j'ai plus de... Attendez. Contrat consensuel. Oh la vache, ah ouais, la corruption, là que ça m'a retiré. Regardez mon apport de nous en thune. Ah ouais. Bon, 7% de corruption, je l'ai senti là. Oh la vache. Allez, Alexandria, ça va finir en production de nourriture, tout ça. Agriculture. Ah. Déjà? Ah bah dis. Ça m'intéresse pas ici. Quoique. Bah non. On verra sur les tours prochains. J'ai toujours des régions à améliorer en vrai. Un peu de suite, je regarde comme ça sinon. Hein. Ouais, voilà. Ce sera agraire. Là, ce sera agraire. Et bah, j'ai pas les thunes. Donc on verra plus tard. L'Egypte, c'est bon. Anania d'Asia, Médica, purée, tout ça, ça m'apporte pas des masses. Hein. Bon, allez, Athènes, je t'attends. En attendant, on va bien embêter les couches. On va pas se faire prier pour ça. Ah, il a eu mon agent. Non, mais sérieux. Blessé. Débarrasser de lui. 72%, normalement tu devrais y arriver quand même. Voilà. Le succès est tout ce qui m'importe. Il y a encore des agents qui traînent, oui, mais ce sont des agents athéniens, c'est le CID. Ok. Alors, ici toujours pas. Ici, voilà, on va pouvoir faire de la nourriture à gogo. Hop, et hop. Ici. Partir sur de l'agriculture à fond. Pourquoi je ne peux en faire que deux? Pourquoi je peux en faire que deux? C'est où le réservoir là? Bah, super. Oh bah super. Ok, on peut pas construire de réservoir là-bas apparemment. Là c'est cool. Allez, comme je disais, il va y avoir beaucoup de tours à passer. Dios Police? C'était à eux? J'ai pas fait attention. Ok, d'accord. Oh, j'ai mal vu, hein, ça arrive. Hop, vous voulez de la nourriture. Hop, vous voulez de l'or, les séleucides. Toi, avant que tu gagnes trop de niveau, on va t'assassiner.
Ça y est. On va faire une petite garnison ici au cas où. Hop. On va pas toucher le reste. Oh, quoi que. Justement. Ici, la Pascaille. En Égypte, ça c'est dingue quand même que je puisse pas te faire réservoir. C'est peut-être buggé, j'en sais rien. Faire une terre consacrée à la place. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça fait, mais bon. Épicerie fine. Allez, on va augmenter les revenus là. On a vraiment besoin de revenus. Hein? Ah, ils ont encore des terres. Ah merde, j'avais pas vu. Je vais chercher, c'est pas grave. Ah bah je me suis fait. Ouais, je me suis fait avoir. Non. Bon bah allez, hein, direction Jérusalem. C'était pas voulu à la base, mais bon. J'ai pas une flotte dans le coin, si totalement. Je vais en aller se balader là par là-bas. Au cas où ils croisent des Athéniens, par pur hasard. À côté de Méroé, tu voles de la bouffe. Toi, tu vas là. Ça part en bombe tout ça. Ah ouais. Ah, ici, ce sont les Aksum. Ok. Bon, on va faire voler de la nourriture ici. Les Aksum, on n'a pas de problème avec eux jusque-là. Donc, on va laisser faire leur vie tranquille. Commerce, agriculture, on est en plein été, l'agriculture, ça nous fera du bien. Allez, augmentons le revenu dans les grosses provinces. Ouh, c'est cher. Ouh, c'est cher. Ça va me faire consommer de la bouffe aussi, tout ça. Pourquoi j'ai ça ici? C'est chelou encore cette histoire. Hop là, centurion, très bien. Toi, tu vas pouvoir avancer. Salut à vous, les Athéniens. Oh la vache. Tant de pertes que ça, là. Ouais, bon, vous savez quoi. J'occupe. Ici ce sera commercial je crois, non? Non, même pas plus que ça. On va faire du recrutement. Quoique il n'y a pas le mire à côté. Ouais mais non, c'est vrai qu'on va pas. On va pas les embêter de suite. Ah zut, je vais aller sécher les axons. C'était pas prévu. Bon après je leur fais rien. Ça m'aura fait connaître juste leur. Leur civilisation, plus d'un pour cent. Merde, dans les bas quartiers. Ouais, j'ai peut-être oublié ça. Intrus ? Sardes ? Ouais, non, mais d'accord, ils étaient là, ok. C'est pour ça. Ils étaient déjà. Et les derniers Athéniens, où est-ce qu'ils sont planqués ? Non, me dis pas qu'ils sont encore là. Ils ont encore des territoires, les Athéniens.
Non, ça a pas l'air en plus. Peut-être une de leurs troupes qui est paumée là-bas. On verra. On verra, allez. Hop, stade, stade, stade. Ici de la bouffe, ce sera très bien. Oui. Faire les égouts, après il y aura le cloaca maxima, etc. Ah oui, non mais d'accord. Aréminium, c'est quand ils ont pris la ville, là, les sétionnaires, la saloperie. On augmente mine de rien petit à petit nos revenus. Plus on augmente les revenus, plus on augmente les revenus. Et plus on augmente les revenus, plus on augmente les revenus, plus on augmente les revenus. Voilà. Ratan qui veut toujours pas bouger, c'est pas un problème. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que... Oui, oh, tu sais quoi, va là-bas. Préparer. S'il me veut, lui, qu'il vienne. Pas intéressant, je vais faire ça, je vais faire ligne de production. Ah, pour développer Rome. Ah, la vache. 8000 le cirque. Ah, vache. C'est cher. Peut-on faire ça? Bon, après, c'est normal, hein, développer Rome, ça me coûtait cher vu les bâtiments qu'il y a. On va faire ça. Le tour des Séleucides là en 20 ans. Hop. Voilà. Italia est développée. Juste que ça me consomme pas trop de bouffe. Mine de rien, ça devrait en consommer beaucoup. Non mais c'est obligé qu'ils ont une ville là. Le statut de client, voilà. Alors on va leur demander le statut de client. Ils sont deux provinces. S'ils se font pourrir, c'est pas mon problème. Tout ce que je veux, c'est qu'ils aillent s'occuper un petit peu de quelqu'un d'autre, si possible. Et qu'ils me laissent tranquille. Bon, lui, il arrête pas de se prendre des trucs négatifs sur la tronche depuis tout à l'heure. On va recruter. Les personnages, je prends. Ils arrivent tellement rarement en plus. Hop, adopter Pontia. Bienvenue. Tu vas avoir une promotion de même.
Tu vas te marier. À qui j'en ai rien à foutre. Et ton mari, comme ça, il sera prêt à faire ce qu'il faut en cas de souci. Tracia, Italia, ah, du poisson. Et soyez bien. Ça, ça consomme pas de bouffe, ça c'est super. Ça par contre, ça en consomme, c'est moins bien. C'est que j'ai pas fait de ferme. Ça va pas aller, on met dans... Voilà, eux là, les couches, ils doivent être en train de mourir de faim là, ils doivent pas aimer la blague. Hop, on va faire la sirène, puis par étonion, puis ammonium. Attention toi. Très attention. La patience a des limites. Hop, Alexandria. Ah merde, même en courant, c'est pas assez. Les routes sont pas terribles dans le coin. Ça coûte cher. Oh, les termes à 8000 là. Oh, oui, je vais pas checker l'italien aussi. Direction Mauritanie. On se fait 21 000 quand même de profit. Bon, on est en automne. Donc on n'est pas dans la saison la plus pauvre. Mais ça reste un très bon bénéfice par rapport à ce qu'on avait il y a pas longtemps. Là, on fait remonter les caisses de manière... assez... assez conséquent. Bon, les Séleucides, ouais, il va falloir que je m'occupe des Séleucides avant qu'ils gagnent trop au niveau leur argent. J'ai une espionne, qu'est-ce qui est fou là? Elle s'est faite blesser? Écoute, je vais l'utiliser. Ça tombe bien. Les chances de sécession sont où là? Ah, yeah. Allez hop, toi. Oh la vache! Ah oui, c'est une grosse espionne que j'ai réussi à assassiner. Oh la vache, là, ça fait du bien parce qu'elle était très haut niveau. Hop, plus de zèle. Risque de sécession. Qui veut faire sécession? Les servir. Qui sont. Oh, oui. Oh. Sécession, genre un lascouille. Allez, on va s'avancer petit à petit. On va éviter les marais quand même. On avance en mode embuscade. Doucement mais sûrement. Elle, ouais, elle est bien expérimentée. Hein. J'aurais besoin de mon agent. Mais d'une agent expérimentée. Là. Cloaque. On aura le cloaque à Maxima ensuite. Terrible, je préfère l'emploi bétail. On y plus de nourriture. Ah, je l'ai pas fait se déplacer plus loin lui. Oups. Oh. Athènes fait sa vie.
Quoi, pardon? Ah oui, non, d'accord, c'est mon... C'est mon agent qui a réussi à se défendre. C'est bien, ça donne de l'expérience. Moi, j'aime bien. Hop, 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 hop. Alors, mon espionne, là, qui est là? Qui est où? Qui est là? On va t'occuper de lui, 80%, je te fais confiance. Je voulais voir. Ah ouais, malgré la perte de bouffe, ils sont encore bien. Allez, les couches. Putain, ils sont alliés au séleucide. Et merde. Quelle idée. Devoir attendre de me refaire un peu de thune avant. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais. Tout là, je peux passer sur des enclos à bétail en vrai. Enclos à bétail en priorité. Hein. Pareil. Pourquoi j'ai ça? L'ordre public, il est clairement suffisant. Faire de la bouffe, hein. De la bouffe à gogo. On va augmenter à fond déjà nos revenus agraires. Et ouais. Et bah tout simplement la bouffe là crée la production de nourriture. Parce que c'est bien d'avoir les rives du Nil, mais. Il m'énerve lui. Lui, je vais mettre Alexandria, on sait jamais. Prêt pour la bataille. Montez les patrouilles. À votre service. On se déplace discrètement. Je les extermine. C'est quoi ton problème là? T'as croisé quelqu'un, tu peux pas te déplacer, c'est chiant. Nous mourrons tous un jour. Ok, simple blessure. Lui. Marche forcée. Hop là, voilà. Toi, ce que je te propose, c'est de marcher un coup et de te rendre jusque ma commade. Hop, de la bouffe. Ah, dommage. Non, bah c'est bon en fait. Hop, on dérobe le revenu. S'entend pas bien avec les gens. Même les Icènes là-bas. Heureusement, j'ai de l'affinité culturelle. Grâce à mes agents. Mais pas ouf. Hein. Oh tiens, ça faisait longtemps, dit. Ouais, merci d'être passé. Voilà. Une en moins. Oh, j'ai déjà plus de thunes. Terrible.
Il a déjà passé les collines d'Hercule. Athènes, ils survivent encore, on sait pas trop comment, mais ils survivent. Alors, quel agent je vais aller assassiner? 37%. Bon, je l'aurais blessé. Toujours ça de prix, c'est pas terrible, mais c'est toujours ça de prix. Allez, on continue. Mine de rien. Je devrais peut-être prioriser mes provinces qui me rapportent beaucoup, non? Je dis ça, moi je dis rien. J'ai un édit en Africa, mais en Suebia, je produis plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais annuler l'édit ici. Et je vais mettre ici. Là, pareil, je peux augmenter les mines. Je vais faire. Ah! Ah, j'étais passé à côté. Ça arrive, comme quoi. Un enfant aîné, bien. Intrus. Encore? Et ça fait pas mal de fois que là qu'ils me font le coup. Hein. Je commence à vraiment pas aimer la blague. En quoi puis-je vous aider? Tiens d'ailleurs. Chut. On va aller essayer d'assassiner elle. Cléopâtre. Rendis. Elle est seulement blessée. Bon, c'est déjà ça de prix, mais. Oh, Italia. Alors, Circus Maximus ou Colisée? Parce qu'on peut pas faire les deux, c'est chiant. C'est le Colisée qu'il me faut. Bon, bah, ça va être le Colisée. 12 000, 12 tours. C'est cher. Ouais, c'est cher, ouais. Hop. On peut faire une autre petite construction, même minuscule, un petit truc tout moche. Voilà. Ça me sert à rien, ça me sert à rien. Pas pour ça. Ça me servira. Ça m'aide. Ça, on va le changer. Ok. Bah, je pense à aller dans la province de Hellas. Au niveau de production de bouffe, on est bien. Hein, développement civil. J'y connais, j'ai fini la lignée de techno d'ailleurs. Hop. Non, ça on s'en fout. Ça m'énerve. Faction détruite. Roxolan. Très bien. Ça fera des tours en moins à passer. Bon alors avec ce que j'ai développé, ouais je peux faire des Craig au stadium. Des gros vendeurs d'esclaves. Ça m'a apporté beaucoup plus. Ça m'a coûté beaucoup plus. Ah oui, là, il y a des contreparties. Toi, ne t'avances même pas chez moi. On est déjà à l'Epsis. Non, tu te débrouilles. J'ai pas envie de savoir. M'intéresse pas ton truc, hein.
Oh la vache. Ça fait mal à l'agriculture, ça. Bon, après, tu me diras, c'est une province. C'est bien. Ana Glacia, ça coûte cher. Là, pareil, on va changer. Ah, waouh, j'ai un thune. Et si j'ai un thune, du coup, je peux pas utiliser mon agent. Je préfère utiliser mon agent. Oh, la femme noble, hop. Allez, une en moins. Et toi, tu... Oh, t'as un gros niveau aussi. Non, mais c'est bien, on s'en débarrasse petit à petit. Il a vérifié ma commande. Mission. Hop, eux ils ont quitté la faction. Très bien, ils ont même pas dormi. C'est une blague? Bon bah. D'accord, il y a que des sénateurs en fait. Qui sont barrés. On n'en a plus pas. Ah si, ils ont dû en avoir quelque part, mais alors où? Ah putain. Ah, j'avais pas vu, t'es toute petite là, leur île. Ah voilà. Excusez-moi les mecs, je vous avais vraiment pas vu, mais alors... J'ai pas fait attention. Quoi. Un tour, bah écoute. J'ai eu un coup de bol. La cloaca maxima. 13 600. Ça coûte cher. J'ai utilisé mon espionne. Je ne suis pas sûr. Utiliser le compte Cléopâtre. Second. Mon agent qui s'est blessé. Ah, elle a que 42%. Elle avait 30 au premier, je crois. Donc bon. C'est avec 70% de probabilité. Mon dernier coup, on sera sur du 100%. Ça m'embête un peu de perdre l'espion, même si c'est que blessé. On dirait que je pourrais utiliser plus d'argent pour faire autre chose, mais quand même. Ah oui, j'ai oublié. Tous les mondes esclaves. Mais non, mais non, mais non. Hop. Je sais pas ce que mon agent, elle a pas déjà récupéré, là. Faut pas déconner non plus. Il meurt pas de faim, c'est fou quand même. Malgré tout ce que je leur pique. Comment ça se passe pour Athènes? Mais écoute, ils tiennent, hein, ils tiennent. Je sais pas comment ils font, mais ils tiennent. Il essaie de l'avoir, cet agent. En vrai, lui, il a déjà pas mal résisté, hein, parce que le nombre de trucs qu'il s'est pris, il est toujours en vie. Moi, je dis chapeau à celui-là. Hein. Mon espionne, non, toujours pas. Agent récupéré. Bah alors, il est où? Ah, je l'ai pas eu. Bon, 42 plus 42 plus 30. Non, normalement, t'es à 100%. Putain, c'est juste des blessures. Ok. On est bien niveau revenu. Là, le problème, ça va être la bouffe, je pense. Ouais, je pense qu'on peut vite avoir des problèmes de nourriture.
Bon, on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Moi, j'espère qu'il vous aura plu. Un plus long épisode. J'essaie de terminer la série parce que dans 3 ou 2 jours, 2 ou 3 jours, je sais plus, il y a Pharao Total War qui sort. Donc, pour pas avoir deux séries en parallèle, enfin, deux Total War en parallèle à tourner, j'essaie de finir plus vite celle-là. Moi, je vous propose de vous retrouver très bientôt, enfin de me retrouver, de vous, au choix, choisissez ce qui vous va mieux, pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine, c'était Tiob.